Bonsoir. Je viens ici vous parler d'un droit. D'un droit fondamental, mais d'un droit trop souvent bafoué, alors même que c'est un outil pour l'émancipation de la femme. Je viens ici vous parler d'Evelyne, qui fait vivre sa famille grâce à son activité de couture à Lifou. Je viens ici vous parler de Cathy, mère célibataire, qui a monté son activité de pisciniste au Mont d'Or. Je viens ici vous parler de Marie-Ange, qui vend des plantes en bord de route et qui, grâce à ça, a fait des pièces et qui, grâce à ça, a pu quitter son foyer violent. Je viens ici vous parler de Marnie, qui, à 23 ans, a ouvert sa boutique à Vaux, sans diplôme, sans argent, mais riche de sa passion et de sa motivation. Je viens ici vous parler de toutes ces femmes qui se sont levées, qui se sont sauvées, qui se sont relevées, qui se sont épanouies, qui se sont émancipées en faisant valoir leur droit à entreprendre. Saviez-vous que ce droit, le droit à entreprendre, le droit à l'initiative économique, était un droit qui avait une valeur fondamentale, reconnue dans les textes constitutionnels? Moi, je ne le savais pas. Tout comme, je pense, ne le savent pas les 35% de femmes qui souhaitent entreprendre, mais qui ne le font pas parce qu'elles pensent qu'elles n'en sont pas capables. Pas capables. Oui. Car pour se sentir capable, il faut se valoriser. Il faut avoir confiance en soi. Il faut s'aimer suffisamment pour se dire « Je suis maître de mon destin. Je vais être mon propre patron. » Il faut avoir le courage de se dire « Je vais créer mon activité car je n'ai pas le choix. Je vais créer mon activité car mes enfants doivent manger. » Je vais créer mon activité car je dois quitter un foyer violent. Il faut aussi avoir le courage de se dire « Je vais réussir. Je vais réussir car je veux faire ce qu'il me plaît. Je vais réussir car je veux m'épanouir. Je vais réussir car je le mérite. » Osons. Osez vous dire « Je mérite de réussir. Je mérite de réussir. » Osez vous le dire. Mais c'est pas si simple, hein, de prononcer ces mots. C'est pas si simple, car c'est le fruit d'un long cheminement. Et elle a dit, avec beaucoup de respect et humilité, nous donnons les outils pour que les femmes puissent lancer leur activité, pour qu'elles osent s'émanciper. Nous allons à leur rencontre. Nous allons à leur rencontre dans les tribus. Nous allons à leur rencontre dans les quartiers de Nouméa. Nous allons à leur rencontre dans le sud minier, en agence mobile, et en nous appuyant sur les associations de femmes. Nous allons à leur rencontre pour valoriser ce qu'elles font déjà. Mais ouais, en Nouvelle-Calédonie, les femmes en général, souvent, sont entrepreneuses depuis la kermesse de l'école. Car vendre des gâteaux en bord de route, vendre des gâteaux à la kermesse de l'école, c'est avoir une activité économique. Avoir une activité économique, c'est être chef d'entreprise. Et la magie de la création d'entreprise, elle est là. C'est ce moment où la personne prend conscience que ce qu'elle crée de ses mains a de la valeur.
et que, par extension, elle-même a de la valeur. La femme pourra commencer à refuser les violences physiques et psychologiques qu'elle subit à partir du moment où elle prendra conscience de sa valeur, à partir du moment où elle se dira « je ne mérite pas ça ». La création d'entreprise, la valorisation de son activité le permet, lui permet d'aller vers ce chemin. Mais après, on fait quoi ? Une fois qu'on s'est dit « je mérite mieux », une fois qu'on a refusé ces violences, comment on fait pour quitter un foyer si on n'a pas de pièces ? Pour aller se reconstruire ailleurs, il faut bien de l'argent, non ? Et c'est pour elles, pour ces femmes aussi, que la vie est là, sans jugement, sans préjugés, bien sûr. Convaincue que chacune, chacun, possède des savoir-être et des savoir-faire qui ne demandent qu'à se révéler, qu'à être valorisés, pour permettre un minimum de confiance en soi et d'autonomie. Lady porte la parole que tout le monde peut devenir entrepreneur à partir du moment où la personne est soutenue par un accompagnement professionnel personnalisé, basé sur la confiance, et d'un coup de pouce financier, le microcrédit. Tout le monde peut créer son activité, quel que soit son âge, ses revenus, son niveau de diplôme, son origine sociale, son origine géographique, son genre, à partir du moment où il est accompagné. 43% des chefs d'entreprise financés par l'ADI sont des femmes. Ce sont aujourd'hui 1720 femmes qui sont en cours d'accompagnement, qui ont bénéficié, qui ont eu un microcrédit et qui sont en cours de remboursement. Depuis le début de l'année 2020, en moins d'un an, ce sont 300 femmes qui ont lancé, développé leur activité avec ce petit coup de pouce financier. 1720 femmes. 1720 femmes partout en Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Maman des tribus. Pardon. Femme des tribus. Femme des quartiers. Femme souvent sans revenus, sans diplôme, sans expérience. Mais femme forte, courageuse et talentueuse. 1720 femmes. C'est beaucoup. Mais c'est très peu aussi. Face à tous ces talents qui ne demandent qu'à se révéler, face à toutes ces femmes qui ont besoin d'être accompagnées pour valoriser leur activité et pour s'émanciper. Aussi, je me permets de terminer par un plaidoyer qui peut ressembler à un plaidoyer pour l'ADI, mais qui est un plaidoyer pour toutes les femmes du pays. Vous devez le savoir, les contraintes budgétaires du gouvernement et des provinces sont telles que l'ADI doit trouver de nouvelles ressources pour accompagner mieux et plus de femmes. Aussi, l'ADI a besoin de vous. Oui, de vous. L'ADI a besoin de vous, ces femmes ont besoin de vous pour porter la parole, pour diffuser le message, pour les encourager à venir nous voir pour que nous puissions les accompagner. L'ADI a besoin de vous aussi pour être bénévole. Nous recherchons des bénévoles partout en Nouvelle-Calédonie pour sensibiliser et accompagner à la création d'entreprises. Si j'ai pu vous convaincre que le microcrédit accompagné pouvait être une partie des solutions, venez me voir. Mais pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? Pour aller à la rencontre de ces femmes qui ne savent pas encore qu'un espoir est possible. Pourquoi pas vous ? Pour aller leur dire que ce qu'elles font de leurs mains,
a de la valeur. Pourquoi pas vous ? Pour les aider à valoriser, pour les accompagner à valoriser ce qu'elles font et leur permettre ainsi de s'émanciper. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour toutes ces femmes talentueuses, fortes et courageuses qui nous entourent. Ainsi, avec humilité, je vous propose que nous rendions hommage à toutes ces femmes et à tous les bénévoles qui luttent à leur côté. Merci pour elles.